Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Promas TV, la chaîne du Japap du Béret. Ouais, c'est nous, on est là pour donner les infos sûres, mûres et dures, hein. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, ma nature, c'est de toi que je vais parler aujourd'hui là. Je t'ai parlé l'autre jour, il va encore te parler, parce que je suis tombé sur un live là, où une femme l'a essayé. Ou elle voulait te conseiller, ou bien c'est qu'elle-même est amoureuse de toi, je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait. Parce que ce sont les femmes comme ça là, qui passent le temps à cogner les têtes dans les pages. Et sa voix là, m'est familier. Je l'ai écouté quelque part, dans plusieurs endroits même, plusieurs lives. Donc, fais très attention. Mais quand je vois les images ici, she want me back. I never paid a promise to a faithful tire. To the day she got me cold, I thought she was. Ouais, quand je vois ces images-là, ça me donne l'impression que tu n'as pas de buzz que tu recherches. C'est comme si tu es en train de voler le buzz. Oui. Tu te colles à Kimi Poo, tu filmes, tu postes parce que tu sais que bon, les gens vont parler. Moi, je me dis que le genre de buzz que les gens font souvent avec les femmes-là, c'est souvent un arrangement entre deux personnes. Mais tu n'as pas, c'est comme si toi, tu voles. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose dans ton buzz là qui ne cadre pas. Vous comprenez un peu, ça ne cadre pas. Bon, en tout cas, je vous mets d'abord le life de cette femme-là. Après, je vais revenir. Te dérange pas, on va s'occuper des gens qui t'insultent. Toi, tu restes calme. Tu continues, tu fonces tout droit. Tu embrasses ton Dieu, tu restes avec. Moi, ton histoire, je la connais. Nous avons presque... Et c'est quand même bizarre. On se soutient les gens qui ont pratiquement la même histoire. Les gens qui ont perdu leurs parents très jeunes. Donc, ne te laisse pas abattre, que rien ne te frôle. Dis-toi que tu es dans le game de TikTok, tout simplement. Même si tu vois où on t'insulte, tu considères ça comme le game et tu avances. Donc, ne laisse pas les propos blessants des gens t'atteindre, non. Voilà. Tu sais que quand c'est mauvais, on est obligé. Par moment, là, on ne veut pas entrer dans la boue. Mais il y a des gens qui te tirent tellement. À un moment donné, tu te dis non, il faut descendre dans la boue. Et s'il faille qu'on descende dans la boue, on va le faire. Toi, tu ne le feras pas. On est derrière. Moi, je suis derrière, je regarde. T'as confiance ou pas? Eh, hein, mon petit. J'ai confiance. Ah, mais j'ai confiance. N'entre pas. N'entre dans rien. Pas de novelas, pas de buzz. Ça ne te ressemble pas. Chez nous, au continent, là, toi-même, tu connais, on a la dignité, on a l'honneur. Pas besoin de te frôler dans... Non, tu n'en as pas besoin. Ouais. Les gens t'aiment tel que tu es. Regarde-toi debout, mon petit. Tcha! Un mètre combien là? Un mètre combien? 18. Tu es une crème, mon petit. Peut-être toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Bonbon au lait. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que je connais ma valeur, c'est ça. Vous suivez, non? Elle dit, wow, on ne te traîne pas dans la boue. Oh, s'il faut descendre à la boue, nous on va le faire à ta place. Ça, c'est pour moi, c'est comme c'est une déclaration d'amour, ça. Oh, Manatu, toi, ta taille, c'est combien? Hein? Un mec, tu es en train, ceci. Mon frère, tu es en train de draguer, Manatu, drague-le tranquillement. Et Manatu, tu es là, avec la boue, tu souris partout, mon frère. Laisse-moi tes histoires de que tu, partout là. Sois un peu sage. Ne fais pas ce qu'on dit, tu es Camerounais, non, comme nous, tu es Camerounais comme moi, non, tu sais ce qu'on dit au Cameroun. Plus il est long, plus il est bête. Donc attention, il ne faut pas que le phénomène là soit en train de... Il faut être intelligent, mon frère. On t'a dit que le buzz que tu cherches là-bas, là, c'est un buzz qui brûle. Et tu vois d'ailleurs, life avec Makoso, life avec le voté. Attention, le retour sera fatal. Tu comprends un peu? Le retour sera fatal. Moi, je te dis, attention. Les gens peuvent te dire, après tu peux te témoigner, tu te frottes au Makoso. Aya Robert peut te témoigner, Axel peut te témoigner, tu vas comprendre. Sarah Messang, elle va te témoigner, tu vas attendre.
Attends, mon frère. Comme on te parle, tu dis, wow, tu maîtrises. Tu maîtrises, non? Ok. Laisse. Je t'ai dit que tu pouvais draguer même Kimi en passant par d'autres chemins. Tu cherches à causer avec Kimi, tout simplement. Tu fais tes lives avec Kimi. Tu passes par son père, sa tante, là, tu crois que tu vas atteindre Kimi. Tu ne vas jamais. Ce n'est pas la méthode. Kimi ne peut même plus accepter que ces choses passent par sa tante. Tu le sais, elle ne peut même plus. Oui, elle a fait cette erreur-là même. D'abord avec Arcel, son père connaissait. Sam, oui, tu as vu comment ça a commencé avec Arcel. Son père connaissait. Sam, sa tante connaissait. On devait seulement les présenter que voici le cas. Elle a fait l'erreur de venir me mettre sa tante dans le truc. Je suis qu'elle regrette tous les jours de sa vie de venir mettre sa tante dans le game. Parce que tout allait bien jusqu'à ce qu'au moment où elle est entrée. Donc moi, on te dit, celle-là, il dit qu'elle te conseille. Mais au moins, il dit quelque chose de pertinent. Tu ne dois pas être de nouvelles à ce machin dans n'importe quel buzz à machin. Elle a raison. Dans ça, elle a totalement raison. Même comme ça, pas sur quelle intention se base pour te dire ça, ou bien elle-même elle veut te. Ah, mon petit, ne sois pas là, tu fais comme un mougou, mon frère. Tu es un mougou, quelque part, mon frère. Tu es Camerounais, tu viens du continent. Mon frère, donne-toi de la valeur. C'est quoi ça? Tu es là pour racoler le petit morceau que Kim te donne. Tu rapproches, tu filmes un peu, tu fais les selfies. Ça, c'est quoi ça, mon frère? Ah, dis donc, laissez-nous ça. Hein? Concentre-toi sur autre chose qui peut bien te rapporter, bien que tu parles. Tu sais que non, c'est un truc qui peut. Ça maintient au moins ta dignité. Tu parles, racoler le truc, et un truc même, un terrain même glissant comme quoi. Un terrain qui a déjà le père, qui a un manipulateur hors pair. Quelqu'un qui sait que le clip d'Arcel, c'est samedi, il programme. Il avait toute la scène pour que sa fille voyage, fait que repousser le voyage. Il programme le voyage de sa fille le même samedi. Après, quand le clip sort, il vient. Il dit aux gens, allez suivre le clip d'Arcel, hypocrisie. Après, il met le link. Un link en bas que tu cliques sur le link, ça t'amenait nulle part. Manipulateur. Attention. C'est que son match qu'il a joué avec Biko, il a vu comment l'équipe de Kimi, Benizio, tout ça est venu ici. Il a été surpris. Il était obligé de sortir et reconnaître que Arcel, tu as mis ma fille à ce niveau. Il était obligé. Parce que même Dieu devait sortir et dire qu'elle était giflée d'abord là-bas, même si tu ne reconnais pas ça. Le karma. Ouais. Donc, petit, fais attention. C'est de ça qu'il s'agit. Fais très attention. On te dit ça. Venez en commentaire raconter les histoires. Quand ça va cuire, je serai toujours là pour vous dire que voilà, vous avez vu, non? Quand ça va cuire, nous on connaît. On connaît Marcos et sa soeur. Quand ça va cuire, ils sont là pour utiliser ces garçons. Et je n'aime pas. Vous utilisez ces garçons, je ne sais pas pour quel but encore. On va voir, mais ils l'utilisent pour faire. Vraiment. En tout cas, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.